La question qui me semble chère, là, c'est l'exil, qui est une question politique et sociale. Et si je dois parler du roman et du sujet du roman, en fait, il faut savoir qu'il y a eu un coup d'État militaire en France. C'est un roman d'anticipation. On est dans un futur proche, peut-être en 2027, 2028, 2030. C'est un coup d'État militaire d'extrême droite. Et l'héroïne, Inès, doit partir en urgence, doit s'exiler. Une femme d'un certain âge, un petit peu plus de 70 ans, car elle est menacée d'arrestation et probablement d'exécution. Et elle est avec sa femme de ménage qui, elle aussi, doit s'exiler. Elles sont ensemble dans l'appartement. Elles doivent partir ensemble. Et le roman, c'est les derniers instants. Le roman se déroule vraiment dans les derniers instants avant le grand départ. Pour toujours, en fait, comme elles sont assez âgées, Inès sait qu'elle ne reviendra pas. D'abord, j'avais écrit mon premier livre, Bouc émissaire, les sans-papiers, qui a été réédité sous le titre de Territoire interdit dans les années 90. Là, c'était un Camerounais, Désiré Hubert K, qui donc travaillait en France sans papier, sans le savoir d'ailleurs. Il n'avait pas été déclaré par son employeur. Je l'ai rencontré et qui s'est retrouvé à Fleury-Mérogis et qui a été reconduit dans son pays. Donc, ayant traité le sujet sous cet angle-là, de l'Afrique subsaharienne qui vient vers nous, l'idée de gens pauvres qui espèrent se faire une vie dans nos pays riches, il m'a semblé intéressant avec Inès, la bourgeoise, la parisienne, de traiter du même sujet. Et il y a l'idée, évidemment, tous migrants, en fait, c'est ça. Bah, j'ai bien aimé l'idée de l'attente, en fait. C'est-à-dire que, justement, par rapport à mon premier livre sur le même sujet, ce que j'avais fait avec Désiré Hubert K, Camerounais de 26 ans, ce qui m'avait. Alors là, j'avais écrit tout au contraire, minute par minute, ce que c'est qu'un raccompagnement à la frontière, entre l'arrestation et l'aéroport. Vraiment tout, le dépôt, la garde à vue, la fouille rectale, on l'emmène à l'aéroport, il refuse d'embarquer, refus d'embarquement, Fleury-Mérogis, les comparutions immédiates. Voilà. Et donc là, c'est vrai, je crois que donc j'étais dans cette histoire des réfugiés et de m'identifier d'une certaine façon, et donc tout le monde, enfin de penser qu'on pourrait tous être en train de faire une petite valise. Et donc, j'avais envie de penser à ces derniers instants quand on abandonne tout, en fait. Je me suis surprise moi-même à voir que ce qui la peine le plus, ce qui lui rend la chose la plus difficile, Inès, c'est pas du tout d'abandonner ses affaires, ses biens matériels, son appartement. Non, tout d'un coup, elle a une sorte de blocage parce qu'elle pense à ses morts. Moi-même, je me suis surprise de penser à ça. Enfin, et elle dit à Aïda, non, non, mais finalement, je ne peux pas partir. Ce n'est pas possible. Je ne vais jamais voir mes morts dans les cimetières parisiens. Je ne vais jamais voir mon mari, mes parents, ma soeur, etc. Mais ils sont là et je sais que je peux y aller. Je suis attachée à cette terre qu'est Paris, que je n'avais jamais conçue comme une terre. Et donc, c'est en réfléchissant, vous dites pourquoi une seule soirée, voilà, c'est en réfléchissant à ce qu'on abandonne d'important. Alors, bon, bah, finalement, évidemment, elle va surmonter. Elle se projette aussi. Qu'est-ce que c'est? Émigrer, c'est aussi, dans son cas en tout cas, parce qu'elle sait qu'elle ne reviendra pas, c'est aussi se projeter et se dire qu'elle va mourir dans une terre totalement étrangère. Donc voilà, c'est ces choses-là que j'ai voulu, qui sont des pensées en urgence, parce que en fait, elles sont en train d'attendre le mari d'Aïda, qui doit les emmener à l'aéroport du Bourget. Il a du retard, et donc tout est en panique. Voilà, donc elle boit du vin blanc, elle a de plus en plus de pensées qui traversent son esprit, elle essaye de calmer son angoisse,
Et il y a ces morts qui sont là. Elle se dit qu'elle ne peut pas abandonner Alexandre, son deuxième mari, au Père Lachaise. Enfin, il y a toutes sortes de pensées qui la traversent. Il y a aussi toute son existence conjugale qui la traverse. Je crois qu'elle a soudain aussi un moment de vérité, un peu comme avant. Je pense peut-être qu'on a ce moment de vérité avant de mourir, hein. Comme elle quitte tout. Je me suis dit que là, et elle parle à Aïda, et je me suis dit que là, vraiment, elle a rien à perdre à être sincère. Il n'y a plus rien à perdre. Elle va se retrouver dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec gens qu'elle connaît à peine. Enfin, elle connaît Aïda, et c'est tout. Donc là, elle dit, et elle a un regret, finalement, d'avoir quitté son premier mari pour le deuxième, elle le raconte. Et c'est l'existence à ses pieds, c'est sa vie à ses pieds, en fait. Je trouve important de dire que je conçois ce roman comme la fin d'un cycle dans mon travail de roman. Parce que jusqu'à présent, j'ai la plupart du temps, dans la plupart de mes romans, j'ai traité le démantèlement du modèle social et l'importance de le protéger, ce modèle social de 45, avec notre aimable clientèle qui était les services publics. Il risque de pleuvoir, qui était la sécurité sociale, l'assurance maladie. Vacances d'été, c'était le code du travail et le paritarisme. Et en fait, j'ai été envahie par cette idée du départ. Et pour moi, finalement, ce roman, c'est « Il n'y a plus rien à sauver ». Et ça, j'avais vraiment, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que soudain, c'est comme si le néolibéralisme est allé trop loin. C'est allé trop loin, il y a eu trop de dégâts, trop de ravages. Il y a eu un coup d'État, il y a une dictature militaire, il faut partir.